24, c'est maintenant. Et là, voilà parti pour la cinquième, le prix Robert Papin, groupe 2 qui s'adresse à des 2 ans, courte distance 1200 mètres à parcourir en ligne droite, très bon départ. Darabi, le favori qui vient le long de la lice et accompagné au centre par Célandine, la pouliche qui vient très vite et qui va s'installer maintenant aux commandes de la course. On a en troisième position le numéro 5 Convo qui progresse aux côtés de Moving Force qui vient à l'extérieur. On a également au contact Unlotto's Grace, alors que Coriza patiente à l'arrière du peloton comme le numéro 4 Shadow Army. Et que Célandine côté corde qui a l'avantage, le favori Arabi venant à son extérieur. Unlotto's Grace est bien en course avec à l'extérieur la présence de Convo, Kazakh Jaune tout à l'extérieur, le numéro 1 Moving Force qui est suivi par la pouliche italienne Coriza, le numéro 7, c'est pour le moment le numéro 4 Shadow Army qui ferme la marche. Et passage devant les tribunes et accélération des chevaux, il reste environ 350 mètres à parcourir, c'est Landine qui va tenter de repartir face au favori Arabi qui accélère maintenant tout près, on a Convo et puis à l'extérieur on a notamment Last Moving Force qui tente de refaire un petit peu de terrain, il reste environ 150 mètres à parcourir, lutte entre la pouliche le long de la liste, c'est Landine et le poulain à l'extérieur, Arabi qui se montre tenace et qui semble prendre un léger avantage. 50 mètres à parcourir et c'est Arabi qui a pris le meilleur face à Célandine. Arabi, Célandine, Arabi qui va s'imposer après le prix du bois dans le prix Robert Papin. La deuxième place peut être prise tout à la fin par le numéro 4 Shadow Army aux dépens du 6 Célandine, probablement 3e. Le favori Arabi qui fait le doublé, prix du bois, prix Robert Papin. Poulain très dur, notez la belle fin de course du numéro 4 Shadow Army qui est 2e, le 6 Célandine 3e et le 3 Unlotto's Grace qui s'empare de la 4e place pour ceux qui ont joué au Super 4, 2, 4, 6 et 3 pour l'arrivée chiffrée.